Maman? Maman, mais qu'est-ce que tu fais? Maman? Mais tu m'avais dit que tu t'es rendue à la toilette pour aller te soulager. Comment est-ce que tu sors avec une machette? Hein, maman? Ugoche. Ugoche, ma fille. Hein? Comme tu peux le voir. Tu es la seule personne qui fait des travaux ménagers ici. Je vais juste essayer de t'aider, s'il te plaît. Maman, est-ce que je me plains? Je ne me plains pas. Seule. Allez, dépose-moi ça, s'il te plaît. Pourquoi? Ça va, ça ne me dérange pas. Écoute, maman, je vais te dire ce que tu dois faire. Juste partons à la maison et repose-toi, ok? Ugo Chimwa. Maman. Comme tu l'as dit, D'accord, va te reposer. À la maison, maman. Mais je ne veux pas aller. Laisse-moi même balayer, non? Non, 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 maman, pas ça. Arrête. Je t'en prie, maman. Arrête ça. Ma maman chérie, mais pourquoi est-ce que tu t'inquiètes pendant que je suis là? Va te reposer, tu es malade. Je m'occuperai de tout. Tu es malade, va te reposer. Ugo, dis-moi. Tu me gâtes tous les jours. Pourtant, tu travailles dur chaque jour. Maman, moi, si je ne m'occupe pas de toi, qui le fera? Je t'en prie, va à la maison. Gauthier. Ma maman chérie. Gauthier, maman. Ma maman adorée. Tu seras bénie. Oh, toute chose marchera bien avec toi. Te dérange pas, maman. Bon, tout ce que tu dois faire pour moi, c'est manger et te reposer. Je suis là. Ok, je ferai ce que tu me demandes. D'accord. Tu n'as pas besoin de te déranger. Qu'est-ce que la femme de ma vie est en train de faire ici ce matin? Et mon petit chéri vient d'où comme ça? On était parti ramasser les bois. Oh. Je n'ai pas pu attraper aucun animal parce qu'ils avaient une réunion dans leur village. Si seulement je savais de quoi ils allaient parler, hein, je n'allais pas passer du temps avec eux. Là, tu viens de savoir là où nous venons. Dis-nous s'il te plaît, où vas-tu? Je me rends dans la forêt d'Okade parce que nous avons pris des bois de chauffage à la maison. La forêt d'Okado? Ok. Je te verrai après. D'accord. Au revoir. Très bien. Mec, viens ici. Camille, es-tu normal? Comment tu agis, mec? Tu la laisses aller à la forêt de Cadet? Ne sais-tu pas que c'est dangereux? Ifeti, arrête de t'inquiéter pour ça. Ugo, tu vas s'en sortir. Allons-y. Est-ce que tu te rends compte?
Bonjour, monseigneur. Ma reine. Que les dieux te bénissent. Ma reine. Monseigneur. S'il te plaît, dis à ma princesse de me voir au palais. J'ai une discussion à faire avec elle. Et le prince. Monseigneur. Oui. En parlant à propos de la princesse, je ne l'ai pas vue ce matin. Où est la princesse? Ma reine, elle a quitté le palais ce matin. Quoi? Elle a quitté ce palais le matin? Après avoir été avertie que personne ne quittera ce palais. C'est bon, juste calmez-vous. Ce n'est pas une question de se calmer. C'est une question de désobéissance. Il a désobéi mon ordre. Dis-lui de me voir une fois revenu. Je le ferai, monseigneur. Juste calmez-vous, s'il vous plaît. Imagine cela. Imagine cela. Désobéir aux ordres de ton père. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Cette histoire ne finira pas comme ça. Il n'y a pas de problème. Maman, je suis revenue. Ah, Ada, tu es de retour. Oui, maman. Hey, tu m'as rendu inquiète. Hein? Désolée, je devais trouver un peu plus de bois pour que nous puissions utiliser pendant quelques jours. Voilà pourquoi je suis revenue tard. Tu es la bienvenue, ma fille. Oh, tu es la bienvenue. Merci, maman. Tu es la bienvenue. Merci. Bienvenue. Oh. Laisse-moi aller déposer ça rapidement et nous faire quelque chose à manger. Ok, c'est bon. Bienvenue. Oh. D'accord. Gauthier. Hein? Maman. C'est quoi ces marques derrière ton dos? De quoi est-ce que tu parles, maman? Des marques sur ton dos, non? Ah, maman, il n'y a rien du tout. Ngochi. Oui, maman. Vas-y, dis-moi, qui t'a fait ça? Maman, il n'y a rien. Ngochi, mam. Maman. Si tu ne me dis pas la personne qui t'a fait toutes ces choses, je ne mangerai plus jamais la nourriture préparée dans cette maison. Hey. Rien du tout. Même maman. Ce que tu comptes préparer, je ne vais rien manger. Je ne mangerai plus rien. Je ne mangerai rien dans cette maison. Oh, maman, c'est bon. Ok, je vais tout te dire. Dis-moi. C'est la princesse. Je l'avais croisée en mon chemin de retour et je ne l'avais pas saluée. Alors, elle a demandé à ses gardes de me frapper. Tout simplement parce que je ne l'avais Quoi? Pas saluée. À cause d'une salutation? Juste à cause de la salutation. Donc seulement à cause d'une salutation, elle a demandé à ses gardes d'être frappés. Hey. Maman, écoute, tu connais très bien la princesse Alochi. Elle agit comme ça parce qu'elle fait partie de la royauté. Donc tu ne dois pas t'inquiéter pour ça, maman. Oublions ça, maman. Pourquoi cette fille agit comme une folle à tout moment? Hein? Maman, écoute, je t'en prie, t'inquiète pas. Ça ne me fait pas mal, je vais bien. Laisse-moi aller faire à manger. Gauthier, tu es sûr? Regarde les dos de ma fille. Hey! Cette fille est trop méchante. Cette fille est trop méchante. Maman, la nourriture est prête. Maman? Maman? Et où? Maman? Oh. Gauthier, ma fille. Maman, qu'est-ce qui se passe? Hey. Gauthier, moi. Je ne veux pas que tu le mettes dans ta tête, tout ce que la princesse t'a fait aujourd'hui. Oh. Tu sais, ils sont de la royauté. Tu n'as pas à t'énerver contre eux ou te battre contre eux. Alors... Maman, je ne suis pas fâchée pour ce qu'elle a fait. Crois-moi, je t'ai dit vrai. D'après tout, Dieu a fait en sorte qu'il puisse appartenir à la royauté.
et nous des gens normaux, que pouvons-nous faire? La seule chose qui me dérange, c'est de savoir pourquoi est-elle si différente de son frère le prince Uchenna. Pourquoi? Gochi, moi. Hein? Tu parles comme ton grand-père. Tu vois, quand tu ne vois pas le mauvais côté de gens, peu importe à quel point ils sont méchants, tu n'as pas à faire de jugement. Hmm? Tu le verras comme le créature de Dieu. Hmm? Alors ne juge personne. Maman. Maman, toi avec tes paroles. Ok, alors maintenant pouvons-nous manger? Allez, mangeons, non? Mais non, est-ce qu'on va finir toute cette nourriture? Nos salutations, votre majesté. Bonjour, mon père. Que tu vives longtemps, ma reine. Assieds-toi. Ma princesse. Père. Je t'ai appelé pour te faire des remarques. Les gens disent que, d'après mon expérience, une femme qui n'écoute pas, une femme qui est têtue, quoi qu'elle fasse, elle ne trouvera rien de bon. Mais le problème, ce n'est pas comment savoir danser, mais c'est la manière dont on vous apprend pour danser. Ça veut aussi dire que s'il y a quelque chose qui ne va pas, va à la source des problèmes. Je suis en train de te parler parce que tu es ma fille. Et je suis en train de te parler en tant que père et fille. Ma fille, c'est le moment. Il faut que tu saches. Tu as le sang royal. Le sang royal, en effet. Et tu dois te comporter comme tel, avec tes sujets. Et j'aimerais te dire que tes sujets, les gens de notre communauté, sont très agités contre toi. Avec ton comportement que tu leur affiches. Et ils sont en colère et ils les montrent sur leur visage. La manière dont tu prends soin de toi-même, la manière dont tu le traites, ça crée une différence. C'est pour cela que je t'ai appelé, pour savoir pourquoi tu affiches ces comportements envers tes propres sujets. C'est pourquoi je t'ai fait venir, juste pour te demander comment est-ce que ça a commencé. Père. Oui. Cela signifie qu'ils me considèrent comme leur prêtresse. Une femme avec l'esprit d'une lionne, au dedans d'elle. Mon roi, je pense que cela doit être ainsi. Et c'est comme ça qu'il devait être. Oui, tes père. Sujets, avoir peur de toi. Oh, quelle audace, ma fille. C'est vraiment l'orgueil. Laisse-moi te poser une question, ma fille. Regarde très bien ton frère. Prince Uchenna, n'est-il pas assez respecté? Il est toujours humble et calme. Il crée toujours l'union. N'est-il pas assez respecté? Seulement toi. Regarde, ma princesse, j'aimerais vraiment t'indiquer une chose. J'aimerais te faire savoir que ta position, c'est l'un de cadeau, un cadeau spécial venant de Dieu. Les cadeaux que les dieux t'ont donnés, ce n'est pas à cause de ta bonté,
ou encore moins ta beauté. C'est parce que tu as la chance. C'est juste un cadeau venant d'eux-mêmes pour donner à certains êtres humains pour un but. Une situation donnée à quelqu'un qui dispose une certaine bonté, l'amour et l'humilité. Prends soin de tes sujets. Montre-leur l'amour. Et aussi, vont le montrer envers nous. Réponds à leurs demandes. À chaque fois qu'ils te les demandent. C'est tout. Alors, c'est cadeau pour calmer leur esprit en leur montrant l'amour et l'humilité à d'autres personnes. Père. Oui. Nous avons offert le sacrifice aux dieux lorsqu'ils les ont demandé. Oui. Sans pour autant désobéir. Parce que nous connaissons le désastre derrière ça. Mon roi, je n'ai jamais maltraité quelqu'un injustement dans ce royaume. Je les ai punis pour avoir offensé la royauté. Et c'est ce que la royauté exige, mon roi. Père, oui. Je demande ta permission pour quitter le palais. Tu veux encore une fois aller voir cette fille? Écoute, tout ce que tu prépares avec cette fille ne marchera pas. Lis bien sur mes lèvres. Cela ne va jamais marcher. Pourquoi ça ne marcherait pas? Parce qu'elle n'est pas de ton niveau. Cette fille n'a pas le niveau de la royauté. Mon père, excusez-moi. Père, mon fils. Père, calme-toi, fils. Calme-toi, mon fils, hein? Écoute, calme-toi. Calme-toi, mon fils. Des fausses ne peuvent pas devenir vraies. Est-ce que tu m'écoutes? Oui, papa. Laisse-la. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part dans sa tête. Elle apprendra une leçon un jour. Calme-toi. Qu'est-ce qu'elle s'est prise? Je te jure. Né. Bon après-midi. Maman. Qui va finir cet abacha? Maman, demande à ces deux filles. Oui. Mais qui va finir cette nourriture? Exactement ce que je leur ai dit. Né, tu ne peux pas t'inquiéter à propos de qui peut être nourri parce que nous sommes toutes ici. Quel gochi? Arrête ça. Oui, oh, nous devons finir ça. Mes enfants. Oui, parce que nous devons l'appeler par son nom. Abby. Donc c'est un coup monté. Ok. Ok, vraiment. Né, je vais amener les autres pour ma mère. Et pour la bacha, ne t'inquiète pas, nous allons le terminer. D'accord, je vais te manger. Mais s'il te plaît, hein, passe mes salutations à ta mère. Okay, d'accord. Et même toi, d'accord. Oh. Maman, laisse-moi les accompagner. Accompagne-le rapidement. Je vous aurai. Bye, Né. Je vous aurai. Attendez. Laisse-moi tranquille. Regarde-moi ici. Wow. S'il te plaît, Ngochi. Attends, oh, tu vas finir cet abacha. Oh. Hein? J'arrive, maman. Je les dépose ici pour toi. Ah, ces enfants vont me fatiguer avec la nourriture. Aleti, donc tu es la seule femme dans ce village qui a les droits sur tout le monde? Tu te trompes, Uchenna. Tu n'épouseras jamais, au grand jamais, cette fille. Maintenant, écoute-moi. Je dis non. Je suis ton grand frère. Et je serai le futur roi. J'ai tous les droits. Tu es en train de te tromper. Si ce n'est pas à cause de maman, je t'aurais déjà tué. Et alors? Hein? Tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas me dire quoi faire dans ce royaume. C'est quoi ça? N'importe quoi. Mais qu'est-ce qui se passe par ici? Reste loin de ma vie. Je ne veux pas que tu parles de ma vie. Ça suffit. Je dis ça suffit. Qu'est-ce qui ne va pas entre vous? Papa, c'est cette fille. Elle est en train de me déranger et troubler ma vie. Tu es quel genre de petite sœur? Hé, garde, qu'est-ce que vous faites ici? Disparaissez de cet endroit. Partez. Je ne veux plus faire de choix à cause de toi. Je ne veux plus écouter vos voix. Vous ne pouvez pas vous comporter de la sorte à mon absence. Faites-le à ma présence. Je suis là. Père, désolé.
Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui se passe ici? Demande à ton fils. Comment oses-tu? C'est quelle façon de me parler ça? Tu me regardes comme tes servantes? Père, je suis... Tu es en train de me parler comme si tu parles à tes servantes? Je suis désolé, père. Père, je suis désolé. Tu es désolé, père? Je ne sais pas ce qui vous a donné ce comportement de ne pas respecter les grandes personnes. Même ton père. Mon prince, dis-moi, Uchenna, qu'est-ce qui se passe ici? Père, je suis en train de lui parler concernant son attitude. Elle ne veut pas accepter mon bonheur. J'essaie de la faire raisonner comme tout grand frère peut raisonner sa sœur. Elle a commencé à m'insulter, papa, et de me traiter de tous les mots. Est-ce vrai, Olichi? Père, il veut faire d'une, moins que rien, reine de ce royaume. Au lieu qu'ils lui disent qu'elle n'est pas d'une famille royale, il ne fait que dire de bêtises, père. Père, tu as entendu ce qu'elle a dit? Je parle des sottises. Il s'adresse au prince de cette façon-là. Ok, papa. La femme dont nous sommes en train de parler, elle a peur d'elle. Olichi l'avait averti de me quitter et de rester loin de moi. Il dit la vérité. Est-ce que c'est vrai? Père, il est le prochain roi de ce royaume. Oui. Il ne peut pas être proche d'une moins que rien. Il a épousé une fille issue d'une famille royale, père. Et toi? Non. Quel homme tu vas épouser? Bien sûr, une royauté, prince Uchenna. Ce que mon homme fera, cette moins que rien, ne le fera jamais pour toi. Alors, prince Uchenna, trouve-toi ton niveau. Elle est de ma classe. Maman, dis-lui qu'elle est de ma classe. Père, dis-lui que c'est mon choix. Prince Uchenna, aussi longtemps que moi, princesse Alichi existe, tu n'épouseras jamais cette fille. Père, dis-le-lui. Mère, dis-le-lui aussi. Hey! Qu'est-ce qui s'est passé hier? C'est à toi que je demande. Igo, j'étais en train de dire à... la princesse d'être comme son frère aîné, mais elle a commencé à m'insulter. Donc tu penses que tu es celui qui peut corriger la royauté? Igo, je suis désolé, mon roi. Comment oses-tu parler alors que je ne te l'ai pas autorisé? La fois où tu recommenceras cette bêtise, je me ferai plaisir de t'égorger. Igwe... Maintenant disparais d'ici. Igwe... N'importe quoi. Bonjour, ma reine. Salutations. J'ai entendu la voix du roi. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ma reine, le roi était en colère contre moi parce que j'ai corrigé ma princesse. Tu peux partir. Mon roi. Ma reine. La façon dont tu traites la princesse n'est pas du tout bonne pour elle. Mon roi, cela va l'affecter à l'avenir. Notre fille, princesse Alochi, est notre unique fille. Et en tant que princesse de ce royaume, elle doit être respectée par tout un chacun dans son royaume. Je ne veux que personne bafoue son honneur. Elle mérite tout le respect de tout le monde dans ce royaume. Mais mon roi, ce n'est pas la meilleure façon de faire les choses. Bon, je dois te laisser. Femme, tu ne sais pas par où je suis en train de passer. Ça, c'est vraiment un problème. J'ai un grand problème. Mais tout ce que je veux dire est que, où sont les dieux? Ils m'ont donné un lourd problème. Pourquoi tout ça m'arrive? C'est bon. Pourquoi? Ça va aller, mon roi. Tu ne peux quand même pas en arriver là. Ça va. Ma fille. Maman. C'est comme ça que ça s'est passé. Il y avait une femme qui était stérile. Elle était allée à la forêt au Kané à la recherche de son mari qui était parti à la chasse. À la place de retrouver son mari,
elle a retrouvé... Elle a retrouvé un pauvre bébé. Allongé par terre et presque mourant. Elle avait ramené cet enfant chez elle. Cet enfant avait grandi et a fait sa fierté. Maman, si je peux te demander, avait-elle retrouvé son mari plus tard? Non, ma fille Ugochi, non. Elle ne l'avait pas retrouvé. Mais plutôt, c'est son mari qu'elle avait plus tard retrouvé et il était vraiment étonné de l'avoir avec un enfant. Parce que elle ne pouvait pas quitter le village pour aller à la forêt. À moins que ce soit pour la recherche de son mari. Est-ce que tu sais ce qu'il avait fait? Non, qu'avait-il fait? Il a envoyé la femme et le bébé dans sa maison maternelle. Pour retourner après 14 bonnes années. Mais je crois qu'il l'avait fait pour que le villageois ne puisse pas l'accuser de la mort de son enfant, c'est ça? Exactement. Tu es vraiment sage, ma fille. Merci. Alors, cela a été une mauvaise chose. Mais si je peux te le demander, qu'est-ce qui était arrivé à la fille? Et comment est-ce qu'elle était arrivée à la fierté de ses parents? Et qu'en est-il de son mari? Cela est une histoire pour un autre jour. Mais tu ne m'as raconté qu'une seule histoire. Allons-y dormir. Ne te stresse pas toi-même. Hein? Ne sois pas pressée. Maman, j'ai pas sommeil, c'est pas encore la nuit. Ne t'inquiète pas, je vais tout te relater. Je suis fatiguée, je dois aller me reposer. Né, pourquoi perds-tu? Allez, Né, qu'est-ce qui se passe? Je me rendais quelque part et je t'ai vu en train de pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Le seul cadeau qui m'a été donné par Obo Saloua. On vient de me le voler. La seule chose qui m'a consolé, qui ôtait mes inquiétudes. De m'avoir pris ce qui m'était plus cher. La personne à qui j'ai donné tout ce qu'elle cherchait. Princesse Aluchi. Princesse Aluchi, tu ne changeras jamais. Tant que tu as arrêté ton travail de frapper les gens et maintenant tu commences à voler les vieilles, pourquoi? Non! 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 Ce n'est pas la princesse Aluchi. Ce n'est pas la princesse Aluchi. Né, si c'est pas le princesse Aluchi, alors qui ça pourrait être? Je t'en prie, juste dis-moi la personne et j'irai me battre. Je me battrai pour toi. Je te vengerai. C'est toi. Tu m'as enlevé ma capuche. T'as quoi? Mais je t'en prie, parle-moi clairement. Tu parles plus en parabole, je tu comprends pas. Tu m'as pris ma capuche. Rends-la-moi pour que j'aie la paix. Rends-la-moi.
Mais je t'en prie, ne te fâche pas. Explique-moi clairement pour que je puisse enfin comprendre. Tu as pris mon capuche. Rends-la-moi pour que je me repose. Est-ce quand je prenais le bois de chauffage? Exactement. Oh, cette capuche, je suis têtue. Je vois maintenant. Rends-la-moi pour que je trouve la paix. Elle ne sait pas. Elle m'a pris ce qui m'était important. Nande, merci au Dieu, je t'ai trouvé. Je viens tout juste de ta maison. Nande, comment oses-tu? Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends toujours rien. Tu ne comprends pas? Nande, attaque un être humain. Comment une personne puissante peut attaquer le vulnérable? Il part là-bas et commence à regarder la princesse comme quelqu'un qui a perdu ses sens. Oh, voyons. Ifeti, je me préparais à venir chez toi quand j'avais quitté là. Quand j'y suis entré, je ne pouvais pas décrire ce qui m'était arrivé. Ah, Nande, ne dis pas ça, ne me dis pas ça, oh. Ne prétends pas comme si tu ne comprends pas ce que je viens de dire. Ifeti, j'essaie de te l'expliquer en tant qu'ami et tu cries sur moi. Je ne crie pas sur toi et je ne peux jamais le faire. Je te donne juste des conseils et je te dis la vérité. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je vois combien tu admires la princesse. Oui, Ifeti. Est-ce que je mens? Nande, où est-ce qu'il part? Mon fils, je t'écoute. Vas-y. Père, j'ai décidé de te poser cette question importante. Je t'écoute. Pourquoi ma jeune sœur, la princesse, obtient ce qu'elle veut? Et elle nous crée toujours les problèmes. En fait, elle est la seule qui dicte à tout un chacun ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Pourquoi? Mon fils, je pense que tu connais déjà la réponse. Tu es supposé déjà connaître la réponse. Mais papa, oui, cela ne devait pas être la raison pour laquelle toi et maman devraient la traiter différemment. Le monde va s'arrêter si tu fais autrement. Je veux dire, son caractère affecte ma vie. En fait, elle me met les bâtons dans les roues. Mon fils, je sais. Je sais que ce n'est pas amusant pour toi. Je veux te dire une chose que je pensais que tu connaissais déjà. Maintenant, je réalise que tu ne me connaissais pas. Si quelque chose était arrivé avant qu'on la mette au monde, si la même chose arrivait avant que nous puissions te mettre au monde, peut-être tu aurais agi beaucoup plus que elle. Mais papa, cela n'est pas une raison valable. Ces agissements commencent à m'affecter vraiment. Fils, je sais que tu n'es pas confortable. Je sais. Avec l'œil d'une grande personne, je vois que tu as mal. Et j'aimerais que tu te calmes. Gère la douleur. Doucement.
Oublions tout cela. En fait, c'est quelle servante dont tu es tombé amoureux. Continue à l'aimer. Parce que j'espère qu'un jour, ta sœur, malgré son entêtement, elle finira toujours par l'aimer. Et elle va directement approuver votre union. Est-ce que tu comprends? Père, oui. Tu peux partir, mon fils. Fils, sois un homme. Je ne peux pas croire, ma petite sœur. Sera celle qui décidera de ce que je dois faire. La petite sœur que je vis grandir. Fils, sois un homme. Sois un homme. L'amour va vous réunir, toi et ta sœur. Gochi. Gochi. Ugo. Gochi. Où est-ce que tu es allé très tôt matin comme ça? Hein? Ugo! Ugo, chez moi! Ugo, chi! Ah ah! Ugo, chi moi! Hey. Mais où elle a pu aller? Maman. Maman, bonjour. Ma très belle fille, bonjour. Hein? Où étais-tu? Maman, j'étais allée remettre quelque chose que j'avais pris à son propriétaire. Quelque chose que tu avais pris? Mm-hmm. Je ne comprends pas. T'inquiète pas, maman. C'est déjà réglé.
Ugochi, moi. Maman, as-tu mangé? Que j'ai faire quelque chose à la cuisine? C'est un peu très tôt pour moi de manger. Grandes au moins. Ah ah. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous deux? Qu'est-ce que tu as fait à ma fille? Maman, nous avions eu... Nous avions eu une petite incompréhension hier soir. Un malentendu? Ah ah. Oui, né. Qu'est-ce qui ne va pas ici? T'inquiète pas, maman, nous allons résoudre cela. Chérie. Arrête. Je suis désolée pour tout ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé n'était pas ce que j'avais prévu faire. Je suis désolée. Ah, Ugochi, moi. Maman. Ugochi, moi. Oh. Ne te comporte pas comme la princesse qui ne pardonne pas ses prochains. C'est entendu. J'étais entendu, maman. Maintenant, tu as bien fait. Hein, ma très belle fille. Ulloma. Oui, ma reine. On va mettre ça à la cuisine. Merci beaucoup. Merci. Ça, c'est vraiment merveilleux. Merci. C'est plus que la puissance. En tout cas, c'est ce que mon cœur est en train de vouloir. Merci beaucoup, ma chérie. Merci, mon roi. C'est vraiment appétissant. Ça oui, sérieusement. Attends, c'est toi qui as préparé, n'est-ce pas? Mon roi, je m'étais dit que je dois vous surprendre aujourd'hui. Oui, c'est bel et bien moi. Oui. Je sais. Je sais que tu es toujours comme ça. Tu fais tout ce que je veux. Et au moment où je le veux vraiment. Merci beaucoup. Merci. Voilà ce qui est remarquable chez toi. Tu es humble. Tu es soucieuse. Tu es une femme tolérable. Je suis content de t'avoir. Je suis aussi content pour toi. J'aimerais que ma fille, qu'elle soit vraiment comme toi. Je serais vraiment vous content. Vous savez très bien, mon roi, que tout le monde ne peut pas avoir le même comportement. Bien sûr. C'est juste un souhait. Ne vous inquiétez pas. En parlant de ça, où est la princesse? Oh, notre princesse, elle est là-bas. Elle se régale avec le vin de palme venant d'Izerubé. Es-tu sérieuse? Oui, au moment où je vous parle. Ils sont là-bas tous les deux. Attends, il est avec elle? Oui. J'aurais appris que c'est un peuple qui rigole après avoir oui, pris du verre. Oui, c'est senteux. Ils sont aussi gentils. Elle. Ils sont tellement calmes. Ils sont vraiment intéressants. L'amour est agréable. Oui, c'est ça. L'amour est vraiment sucré. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Hey! Hey! Attends. Es-tu sûr qu'Andjuribé est toujours là? Oui, il est toujours là. Tu sais pourquoi je demande? Non, pourquoi? Parce que je vis la princesse sortir avec ses servantes. Norma et Akodik. Elle vient juste de passer par là. Vous les avez vus oui. passer? Oui, je viens de les voir. C'est pas vrai. Oui. Izelibé est toujours là. Oui, c'est ces mouvements. Il y a vraiment un problème. Peut-être il y a une incompréhension entre elles. Oh. Mes salutations, Né. Ah, ma fille. Né. Tu es la bienvenue. Oh, Né. Comment va ta maman? Elle va bien. Tu es la bienvenue. Né, comment vas-tu? Et ta santé? Je vais bien. Ok. Je vais de plus en plus mieux.
Comme tu peux le voir, je suis en train de casser les noix. Cela montre déjà que je vais bien. Ok. Mais, Né, c'est comme si mon amie n'est pas là. Parce que si elle est présente, elle ne te permettra pas de faire tout ceci. Non, je n'apprécie pas ce genre de paroles, non. Je n'apprécie pas cela. Je ne veux pas que vous me preniez comme un enfant. Je ne suis pas un bébé. Je suis vieille. Je suis malade, mais je vais mieux maintenant. Nous le savons, Né. Nous le savons. Je ne veux pas que vous commenciez à me traiter comme un enfant. Je ne le veux pas surtout. Nous le savons, Né. Nous le savons. S'il te plaît. Pas grave, attends que je prenne la chaise. Viens m'aider, qu'on les casse ensemble, s'il te plaît. Avant de parler vite. Comme si j'étais un enfant. Vous me traitiez comme un enfant. Je ne fais rien, je ne bouge pas. Celle m'a resté comme ça. Regarde-toi, tu es vraiment un paresseux. Donc tu n'arrives même pas à faire le tour de ces arbres. Alors comment? Comment vas-tu me protéger si un danger est arrivé? Comment? Oh, Hugo, aussi longtemps que je vivrai, je ne laisserai jamais qu'une chose pareille ne t'arrive. Ok, si tu l'es dit, alors pourquoi ne pas m'attraper? Inclinons-nous et saluons la princesse. Allez. Salutations, ma princesse. Pourquoi elle n'a rien dit? Elle n'a même pas répondu. J'espère que tout va bien. Allez. Partons d'ici. Espèce de paresseux, tu n'as même pas réussi à m'attraper. Je dois d'abord faire ça. Que je gère d'abord ça, comme ça je pourrais prendre l'autre. D'abord ça. Comme ça je prendrai d'autres. Que je commence à faire ça. Bon après-midi, maman. Tu es rempli de joie. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Maman, nous avons résolu nos problèmes avec Nandi. Tu la vis? Hein? Tu es maintenant heureuse. Quand je t'avais demandé de le pardonner, tu agissais comme la princesse. Que Dieu me pardonne, je ne me comporterai jamais comme la princesse. Jamais. Maman, sais-tu ce qui s'est passé aujourd'hui? Pendant que je partageais un moment de romance avec Nandi, la princesse était passée. Attends, oh. Être romantique. Tu essaies de me dire que toi et Nani, vous avez... Non. Potaba, c'est pas de quoi je parle. Je ne ferai pas ce genre de choses, détends-toi. Pas avant que Nandi vienne payer la dot. Je sais que ma belle-fille ne peut pas me décevoir. Je le sais bien. Alors, qu'est-ce que la princesse avait fait? Rien du tout, elle était juste passée devant nous. Rien du tout. Yeah! Princesse.
passé devant vous. Hey. Maman, j'étais très surprise. Ha. Mais c'est comme ça qu'elle est. Une princesse royale. Bien. Peut-être que quelque chose la dérange. Qui c'est? Bonjour, notre roi. Longue vie au roi. Que vous viviez longtemps, les anciens. Merci, merci. Bienvenue. Merci, mon roi. Je sais que vous n'allez pas me blâmer quand je dis ceci. Vous êtes venu au palais aujourd'hui. C'est comme s'il y a un problème que nous devons régler. J'espère que tout va bien. Parce que je me demande quelle est la raison de cette visite. Bienvenue. Merci, mon roi. Vous savez, mon... Oui. Mon roi, un animal ne peut jamais courir pendant la journée pour rien. Oui. Et c'est soit il est en train de courir après quelque chose ou quelque chose est en train de courir après. Oui, c'est correct. Bam. Allez-y, expliquez-moi cette visite imprévue. Il y a des... Les choses imaginables qui sont en train de se passer dans ce royaume, dont vous ne connaissez ni les tenants ni les aboutissants. Sérieusement? Bien sûr que oui, mon roi. Alors, quelles sont ces choses? Mon roi, il s'agit de la princesse. La princesse? La princesse. Ma princesse? Oui, votre princesse. Ma fille? Oui, mon roi. Et qu'est-ce qui ne va pas? Mon roi, la princesse a dû confronter Ichiomade hier et l'a forcé de lui laisser un tas d'ignames hier au champ. Chose qu'elle a dû confisquer avec un bidon de vin de palme qu'il avait acheté dans l'épicerie de Izebe. Vous êtes vraiment sérieux? Non, mais Ichiomade, est-ce exact? C'est la vérité. En fait, mon roi, c'est vraiment incompréhensible. Tu es sérieux? Mon roi, cette fille, votre fille, elle n'a pas de caractère. Mon roi, cette fille n'a pas de conscience. Votre fille, elle n'a pas de caractère. Elle n'a pas vraiment de caractère. Hein? Vous devez voir comment elle s'est exprimée devant ma présence. La fois passée, elle s'est vraiment donné la peine de le faire vraiment tomber. Que j'ai souffert en achetant dans la boutique des Zélibé. Voilà, hier, mes entrailles sont remplies de colère. Après ça, mon roi, elle m'a laissé abattu. Est-ce que c'est normal? Hey! Est-ce que c'est vraiment la vérité? C'est aussi sérieux, mon roi. Mon roi, s'il vous arrivait de voir comment la princesse parle à Ichie, Ozo et moi, surtout hier, mon roi, c'est l'attitude qui fait preuve d'une personne mal éduquée. Mon roi, c'est pas normal. S'il y a quelque chose qui me dérange, c'est le comportement de ma fille. Alors, les anciens, qu'est-ce que nous allons faire? Quelles mesures que nous allons prendre? J'aimerais vous rappeler une chose. Je sais que vous savez que l'attitude de ma fille, les comportements de ma fille, ça ne me donne pas la joie. Je ne peux pas la supporter dans tout ce qu'elle fait. Hein? Vous tous, vous le savez.
combien de fois je regrette de son comportement. Vous le savez. Hein? Vous ne le savez pas? On le sait, notre roi. Hein? Bien. Mon roi, Ichi Omade, Ichi Alika et moi-même avons pensé à une suggestion. Ok. Ok. Laquelle? Marions-la ailleurs. Vous savez ce que les gens disent au sujet de l'amour? L'amour change un monstre à un petit lézard et construit un cœur rempli d'affection. Vous savez, prenons par exemple le prince. Il était bon. Mais à présent, c'est meilleur. Parce qu'il a rencontré Chinaza. D'ailleurs, la princesse n'est même pas comme Chinaza. Les anciens de notre terre. Mon roi. J'aimerais vous demander, avec cette idée de lui donner un mariage, lui faire une faveur, est-ce qu'elle va accepter cette idée? Est-ce qu'elle aimera l'idée? Pourquoi pas, mon roi? Oui. Il n'y a pas d'erreur en essayant. Essayons d'abord. Essayons cette nouvelle expérience. Si ça ne marche pas, alors tant pis. Mais nous essayons de mettre en place cette méthode pour nous d'abord et pour la communauté entière. Merci. Merci les anciens. J'apprécie votre franchise. Vous m'avez fait comprendre qu'un arbre ne fait pas la forêt. Et je viens de comprendre que un enfant n'appartient pas seulement à une seule personne. Un enfant est pour tous. Pour tous. Et son éducation dépend d'une idée collective. Comme je vous l'ai dit avant, je remercie les dieux que vous soyez venus. Un arbre ne fait pas la forêt. Nous ne possédons pas toute la connaissance. Et vous venez de m'aider. Et nous allons appliquer l'idée. Il n'y a pas du mal en essayant, comme il l'a dit. Si nous ne réussissons pas, nous allons essayer encore. Merci d'être venu. Je vous en prie. Merci. Merci, mon roi. Ma reine. Mon seigneur. C'est ce qu'ils ont dit exactement. Garde. Igwe, excusez-nous. Toi, votre majesté, va là-bas. Monseigneur, si les conseils des anciens pensent que ça va marcher, alors nous n'avons pas d'autre choix que celui de l'essayer. Oui. Qu'en est-il de la princesse? Est-ce qu'elle va accepter l'idée? Tu sais qu'elle a un ego. Je ne pense pas qu'elle va accepter de se marier à une personne normale, comme elle l'a toujours dit. Rappelle-toi lorsque je l'avais demandé à propos de la femme que son père a choisie comme femme. Alors comment ça va se passer? Vous avez raison, mon roi. Oui. D'accord, essayons un peu de réfléchir. Et si la famille royale de villages voisins, du genre les gens qui font partie de la royauté ou encore les gens de sa classe sociale, ne venaient pas pour la demander en mariage? Donc c'est pour ça que je suggère que nous puissions suivre l'idée des anciens. Ok, et de mon côté, je vais essayer de causer avec elle et la convaincre. Oui. Ok,
Il n'y a pas le mal en essayant. Oui. On va continuer. Je vous reviendrai. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie, mon roi. Attention, attention. Tu veux me blesser? Je suis désolée. Nos salutations, marraine. Bonjour, votre majesté. Bonjour, mère. Laissez-nous. Ma princesse. Mère. Ma jolie fille. J'ai envie de discuter un peu avec toi. Mère. Oui, chérie. C'est pourquoi tu parais distraite? Oui. C'est pourquoi tu ne veux pas te reposer? Pendant que toute créature des dieux se réjouit de la nature. Tu peux encore le dire. Ma princesse. Oui, mère. Une femme, ses besoins ne sont pas complets. Si elle n'a pas un homme à ses côtés. Mère, je oui, suis ma une fille. Princesse. Et je ne peux épouser n'importe qui. Qu'est-ce que les villageois penseront de moi? Ma jolie princesse. Ma fille. Oublie à propos de ce que les gens diront. Oublie à propos de ce à quoi les villageois penseront. Écoute. Une princesse courageuse est celle qui connaît la vraie signification de l'amour. Ma fille. Tu as déjà pris de l'âge. Toutes les filles de ton âge sont déjà mariées. Écoute. Ton père a promis qu'il fera en sorte que tout homme qui viendra t'épouser puisse appartenir à la royauté. Oui. Maman. Regardez-moi. Les peuples de notre royaume, écoutez! Écoutez les peuples de ce royaume! Le roi a organisé une fête pour tous les hommes de notre royaume qui se sentiront capables de venir demander la mère de la princesse. On vous attendra là-bas, oh! Les jeunes de notre terre. Oui. Oui. Je crois que vous êtes tous au courant du festival que le roi est en train d'organiser au carrefour du village. Oui. Et je suis surpris. Je suis surpris parce que, pas parce que le roi voudrait se faire ami à tout celui qui attirerait l'attention de sa fille, mais parce qu'une telle chose ne s'est jamais passée dans ce royaume avant. Vraiment? Oh non, j'ai constaté que la princesse de notre village va venir se marier ici. Il n'y a aucun prince qui n'est jamais venu chercher la princesse à Luchi. Même pas une seule personne. Mais non, le roi veut nous utiliser, nous. Hey. D'emporter la princesse hors du palais. Ah. Et nous avons tous les conséquences de tout ceci. Oui. C'est la oui. mort, mes amis. Ah.
Mais mes amis, je veux dire une chose. Vous savez que la princesse, elle va changer. Arrête. Non, arrête. Arrête ça. La princesse ne peut pas changer. Elle est comme ça. La princesse ne va jamais changer. Elle est comme le léopard. Exactement. Personne ne va aller l'épouser. Et ah. Maintenant, vous conseillez de ne pas partir à ce festival. Oui. Non. Attendez. Attendez. Moi, je vais aller me présenter. Moi. Non, mais il fait vivre comme. Calme-toi. Calme-toi. S'il vous plaît, pousse, allez. Tu peux assister à Zélébé. Non, attends d'abord. Tu peux assister. Mais si la mort te trouve pendant le processus, aucun membre de la jeunesse n'assistera à ton deuil. Je préfère épouser Ugochi que Ugo Go. Zélébé, fais attention, ne va pas assister à ce festival. Vous pouvez passer ce message aux autres jeunes du royaume. Merci. Tu peux partir. Oui. Moi, je vais aller au... Vas-y. Je vais aller. C'est le moment que je parte. Mon prince. Oui, mon amour. Es-tu sûr que ça va marcher? Oui, je ne sais pas. Mais j'espère que ça marchera. J'espère que le roi et ses autres consuls sont d'accord avec cette décision. Mais de toutes les façons, qui connaît la personne dont la princesse choisira, mon prince? Quant à moi, je ne sais pas où. C'est mal les dieux qui connaissent. Mais j'ai pitié pour le jeune homme que la princesse va choisir. S'il a la chance, il va vieillir avant. Ou... il va mourir avant son temps. Voyons, mon prince. Ne parle pas de cette façon. Mais c'est la vérité. Tu connais ma sœur. Tu n'es pas sérieux, je sais. Arrête. Alors, écoute. Tu m'as beaucoup manqué. Vraiment. Alors, tu veux aller voir ta mère? Ichiozo. Mon roi. Je ne sais pas ce qui se passe ici. On s'est tenu debout il y a déjà quelques minutes. Près d'une heure, beaucoup de minutes. Et les gens qu'on a invités ne sont même pas venus. Même une personne simple. Même pas un. Qu'est-ce qui se passe? Et regardez-le. Hein? Le temps passe. Et il s'est fait tard. C'est le soir. Je ne comprends pas. Ceci ne s'est jamais produit. Et tu oses. Mon roi. Qu'est-ce qui se passe? Je veux savoir ce qui ne va pas. On a communiqué à tout le monde que les gens de ces villages viennent, même les invités, mais personne n'est venu. Es-tu sûr que tu as délivré le message à tout le monde dans le village? Bien sûr que oui, mon roi. Je ne sais pas pourquoi les gens ne sont pas ici. Il se peut qu'ils soient sur leur chemin en train de venir. Hey! À cette heure. Peux-tu imaginer cela? Papa, il y a quelqu'un qui arrive. Et qui est-ce que c'est? Mon roi! Mais pourquoi tu es en retard? Pourquoi tu viens maintenant? Où sont les autres personnes? Mon roi, à présent... Tout le monde dans le village avait entendu la nouvelle. Mais ils ont dit, ils ne viendront pas dans ce festival. Pour quelle raison? Leur vie. Quoi? Pour leur vie? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas avec leur vie? Hein? Ils ont peur de mourir. Ils ont peur de leur vie. Comment? Pourquoi? Comment? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais pourquoi tu es ici? Tu viens pourquoi? Mon roi,
À ce moment, j'aime la princesse. Je veux qu'elle soit ma femme. Isolibé. Oh. Onowu. Mon roi. Tu vois le comportement de ton fils. Il est toujours comme ça. Mon roi, je suis surpris. Bien, calme-toi. Princesse Alichi. Père. Ma fille, tu vois ce qui se passe ici. Personne ne veut me dire ce qui se passe ici exactement. Jusque-là, je n'arrive pas à comprendre. Nous avons invité beaucoup de gens aujourd'hui. L'information avait circulé partout dans le village. Mais tout le monde devrait venir aujourd'hui. Eux-mêmes en ce moment. Ce soir, il fait déjà nuit. Personne n'est là. Et la seule personne qui a pris le risque de venir ici, c'est Zeribé. Tu as entendu ce qu'il a dit? Il demande ta main pour le mariage. Qu'est-ce que tu en dis? Père, je crois que c'est l'effet de l'alcool qui parle à sa place. Quoi? Mais peu importe. Et de toutes les façons, j'admire son courage et son amour. Mais avant cela, Zeribé, tu me connais bien, n'est-ce pas? Je te connais très bien. Tu es la princesse Alichi. Peux-tu prendre soin de moi? Pourquoi? Pourquoi pas? Réponds à ma question et arrête de tourner autour du pot. Genre, peux-tu habiter au même endroit que moi? Dans la même hutte. Voilà ma question. Je suis un homme. Je vais vivre avec toi. Tais-toi. Je ne peux pas vivre avec toi, s'il te plaît. Princesse. Il faut te regarder avant d'agir. Hugo! Hugo, ma jolie sœur. Oui, Chinasa. Chinasa. Madame. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que tu as oublié que nous sommes supposés aller à la rivière aujourd'hui, après t'être rejeté de ton chéri. Ok. À propos, j'avais déjà oublié, c'est maman qui m'a rappelé que nous n'avons plus de l'eau dans la maison. Donc... Vas-y doucement. Hein? Moi aussi, je tomberai amoureuse. Qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? Des grâces. Ah, je n'ai rien dit. Hein? Où est passée maman, non? Elle était sortie pour aller travailler. Elle se plaint ces derniers temps parce qu'elle est toujours à la maison, elle ne sort pas. Et tu lui as permis d'y aller? Et si elle rencontrait la princesse en chemin? Rien ne va lui arriver. À propos, vous connaissez très bien maman. Elle insistait pour qu'elle puisse sortir et aller travailler. Oui, ça se ferait. Dépêchons-nous avant qu'elle D'accord, c'est ça, on y va. Mais la plus belle femme. Ne t'inquiète pas, très bientôt, nous viendrons danser pour toi. Je danserai pour toi. Noma, je ne sais même pas ce qui se passe réellement dans ces palais. Ma chère, je ne sais même pas pourquoi la princesse se comporte de cette manière. Le roi est très gentil et la reine est une femme très calme. Je n'arrive pas à comprendre tout ceci. Peux-tu imaginer qu'il y avait un homme qui était venu demander sa main en mariage et elle a rejeté cet homme? Tu veux dire un verri? Oui. Hey. Elle ne veut pas se marier, oh. Je ne comprends pas. Noma, donc toutes les deux vous êtes là? La reine est à votre recherche. Mon roi, si je vous disais que je suis à court de mots, alors j'aurais menti. Il ne m'a jamais parlé de ses projets. Je vous crois, Ichiozo. Mais mon roi, comme l'impression a rejeté la seule personne qui est venue vers elle, elle a eu ce courage pendant que les autres n'ont pas pu. Je me pose des questions, oh. S'il vous plaît, laissez-moi seul. Je vais être seul. Vous dites? Mon roi, il n'est pas question de vous laisser seul, oh. C'est un problème dont nous devons trouver une solution. Telle est mon opinion. Hmm.
Ichiyozo, tu t'en vas? Tu n'as pas entendu Igwe. Je pars. Ah, je m'en vais avec toi. Oh. Ok. Igwe dit qu'il devrait rester seul. Oui, on les laisse seuls. N'est-ce pas la princesse Aluchi? Ou ce sont mes yeux qui me déçoivent? Ichiozo, c'est la princesse Aluchi. Est-ce que je parais beaucoup trop petit que tu n'aies pas pu me voir? Comme étant le roi de cette communauté? Non, mais en tant qu'onohu de ce royaume. Comment est-ce que tu as pu passer sans pour autant me saluer? Qu'est-ce que tu veux dire, toi, vieil homme? Hey. Où est-ce qu'on a établi cette loi que les petits doivent obligatoirement saluer les grands? M'as-tu salué et je n'ai pas répondu, Ichiozo? Suis-je devenu beaucoup trop petit que tu n'as même pas pu remarquer que c'était moi? Qui remarqué à tant que qui je te demande? Hey. Ichiozo, laisse-moi tranquille et trouve-toi une occupation. Si tu me salues, je vais aussi te saluer. Si tu ne veux pas me saluer, laisse tomber et va en enfer avec ta salutation. Abomination! La prochaine fois que tu vas m'arrêter pour dire des sottises, je vais demander à ce qu'on puisse te fouetter. Hein? Vieux fou, n'importe quoi. Non mais les dieux! Regardez-moi cette princesse, oh! Hey! Haru, Haru, mais bousculez-moi! Le nom de ce royaume! Hey! Le roi sera au courant de ceci. Allez, prends ça. Maman. Obi, quand tu me parlais à propos de ce que le gène planifiait, je ne savais pas que c'était aussi sérieux. J'ai entendu ce qui s'est passé au carrefour du village. J'étais vraiment sans mots. Comment pouvez-vous vous rebeller contre la princesse? Il n'en est pas vraiment en question. Se sauver ta vie vis-à-vis de ceci. De quelle façon comprends-tu les qui choses? Qui voudrait mourir? Hein? Obi, vous l'avez fait à la hâte. C'est pas bien. Ugo et tout, maman. Maman? Laisse-moi t'éclaircir quelque chose. Tu sais, quand la royauté veut prendre la place de Dieu, peu importe ce qu'il est ou ce qu'il est, les dieux et les humains vont haïr cette personne. Mais... c'était exactement ce qui s'était passé avec le jeune du village. Aujourd'hui. Maman, c'était vraiment étrange aujourd'hui. J'ai c'était de la peine trop pour étrange. Elle. Hey! Je me sens vraiment mal pour la princesse. Je souhaite qu'elle puisse vraiment trouver un homme qui va l'aimer telle qu'elle est. Bien. Tes prières deviendront réalité. Mais je crains que ce soit tard. Elle a dû rejeter le seul homme qu'il aimait, en présence du roi et tous les anciens. En tout cas, elle a dépassé les limites. Obi, as-tu oublié qu'elle t'ait courée après avant que nous puissions nous mettre ensemble? C'est exactement ce qui t'arrive quand tu ne dis pas la vérité. Dégage. C'est tout ce que tu trouves à me dire? C'est pas gentil. C'est quoi le problème? Il n'y a plus rien pour toi. Vous deux, vous allez me tuer. Vous voyez, vous deux, vous n'allez pas arrête. Me tuer. Vraiment, j'aime vraiment le faire. Tais-toi, avance. C'est mon travail, j'aime ça. J'aime danser. Et après quoi?
Regarde-moi, non? Regarde-moi. Oui, arrête. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ma belle, laisse-moi te dire que la vie est vraiment qu'est-ce bizarre. Qu'est-ce qui est arrivé? Imagine. Imagine un peu ce bel homme comme Osé Bébé a été rejeté par notre arrogante princesse. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas exactement ce qui se passe. J'ai entendu que, il paraît, elle a entendu à une réunion au village. T'es pas sérieuse. Tu mens. Je ne blague pas. Il paraît qu'ils vont signer des accords. Accords? De quel accord parles-tu? Les accords pour lui permettre d'organiser une cérémonie pour choisir son mari. Elle l'a fait? Ah ah. Mais pourquoi? Oui, pourquoi tu t'étonnes? Eh ben, à mon avis, je ne pense pas que c'est une trahison. Vraiment? Je pense qu'il est plutôt question de choix. Allez, s'il te plaît, partons avant que nous puissions nous retrouver dans les embrouilles. Allons-y. J'ai beaucoup de travail aujourd'hui. Bonjour ma princesse. Pourquoi m'as-tu arrêté? Ma princesse, j'étais en route pour le palais pour savoir si vous avez besoin du vin de palme. Vraiment? Oui. Tu peux emmener ça dans le palais. Oh, j'ai dit que je vais l'apporter au palais. Pas de problème. Mais ma princesse, je suis désolé pour ce qui s'est passé hier. Tu veux encore plus de frappe? Pas du tout. C'est juste que je suivais mon cœur. Zeibe, je te préviens. Zeibe, non jamais, au grand jamais de ta vie, que tu me stoppes et me dises des bêtises. Je ne suis pas de ton niveau et je ne serai jamais non. Je ne suis pas une lâche pour m'acheter avec ton vin de palme. Parce que si tu réessayes, tu verras ce que je vais te faire. J'en finirai avec toi et même les dieux auront pitié de ton sort. N'importe quoi. Je suis le fils de Ono. Maman, moi, il y a un homme. Hey. Tabasser comme ça. Lève-toi, jeune fille. Lève-toi, petite fille. Lève-toi. Reste là-bas. Dis-moi ce qui ne va pas. Votre Majesté, la princesse a poussé ma mère par terre. Quoi? Ma seule fille a fait cela? Oui, Votre Majesté.
Aro. Oui. Jeune fille, sais-tu que c'est un crime sur notre terre de mentir au nom de la royauté? Itché, je ne pourrai jamais mentir à propos de la famille royale. Je vous dis la vérité. Elle ne ment pas. Garde! Oui, Majesté. Appelez-moi la princesse. Oui, Majesté. Elle n'a pas menti. Tu connais bien la princesse. Ce n'est pas un mensonge. Tu connais la princesse. Laisse-moi voir ça. Ça n'a pas l'air grave, mais ça va jouer sur la relation, vous comprenez. Ce n'est pas normal, Igwe. Qu'elle vienne d'abord. Où est-elle? Elle est en route, votre majesté. Nos salutations, votre majesté. Père, vous m'avez fait venir. Tu connais cette fille? Est-ce que tu la connais? Je la vois ici au village. Et je l'ai vue aujourd'hui pendant que je visitais les marchés. Tu la vois ici au village? Tu la vois ici au village? Connais-tu sa mère? Je vous demande pardon, mon roi. Oui. Je voudrais poser la bonne question. Ma princesse, avez-vous bousculé une quelconque femme aujourd'hui matin? Comment oses-tu me poser des questions? Qui es-tu pour me poser des questions, Ichali? Ferme ta bouche, ma princesse. Ferme ta bouche. Pourquoi tu n'as pas de respect pour tes anciens? Sont-ils tes servantes? Es-tu malade? Réponds à la question. Qu'est-ce qui se passe ici, mon roi? Réponds vite à la question. Eh bien, la femme âgée s'approchait de moi et je suis tombée sur les herbes. Et pour me venger, je l'ai poussée par terre. Quoi? Pouvez-vous imaginer? Princesse, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu as poussé une vieille femme par terre et tu es contente de les dire devant nous, devant ton père, devant les anciens? Est-ce que tu connais les conséquences de ce que tu as fait? Est-ce que tu connais les mal qui viendraient après ça? Mon Dieu. Tu te comportes comme un animal. Comme si tes parents ne connaissent rien du tout. Mais oui. Tu causes les problèmes aux gens. Tu les rends la vie très dure. Tout ça à cause de ton entêtement. Mais elle m'a poussé. Ah, ferme ta bouche. Ferme ta sale bouche. Et tous ces problèmes, mais reviens à moi. Pas seulement moi. Et les dieux aussi. Pouvez-vous imaginer? Écoute-moi. Écoute-moi très bien. Aujourd'hui, je déclare ceci. Tu ne vas plus jamais quitter ces palais. Seulement si je change d'avis. Père. Père, vous ne pouvez pas me faire ça, père, s'il vous plaît. Souvenez-vous que je suis votre unique fille. Je l'ai déjà dit. Et ça demeure ainsi. Écoute-moi encore. Si jamais tu essayes de désobéir à cet ordre, ce que je te ferai, aucun roi ne l'a jamais fait à sa propre fille. Igwe. Tu l'as entendu. N'importe quoi. Oui, vous savez que nous sommes censés aller au mariage du chef pour sa fille. Il n'y a pas vraiment de problème. Nous pouvons être là maintenant. Oui. Ce qu'a fait la princesse est un tabou contre cette terre. L'aide de Dieu, que devons-nous faire? Le sacrifice, mon roi. Vous devez offrir au Dieu le sacrifice avant le jour du marché. Quels sont vraiment ces sacrifices qui doivent être faits? Faites-les-moi vraiment savoir. Je ferai tout ça pour la dernière fois. En fait,
une fois pour toutes. Je te promets. Mon roi, les dieux sont en colère contre la princesse. Et ils veulent qu'elle puisse faire quelque chose pour eux. Une fois que cela sera fait, alors le sacrifice sera accepté. Et la calamité qui est sur le point de frapper la famille royale sera effacée. Oh. S'il te plaît, peux-tu juste être gentil pour me le dire? C'est quoi la chose que la princesse est censée faire? La princesse doit aller s'excuser auprès de la vieille femme qu'elle a frappée. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a encore cette fois? Tu sais que la princesse est très méchante. Qu'est-ce qu'elle a encore fait cette fois? Connais-tu les chiefs, mon gars? Oui. Les vieils hommes? Oui. La princesse a demandé aux gardes de lier ces vieils hommes. L'aider de notre terre. Peux-tu imaginer? Hey! As-tu entendu? Elle est méchante. Très méchante comme une sorcière. Hey! Hey, elle arrive. Merci, elle arrive. Cette histoire devient compliquée si je trouve vraiment de l'argent. Si j'ai tous vraiment de l'argent, alors je vais compléter cette maison. Ce n'est pas vraiment impossible. Nous prions les dieux de promouvoir. Je veux que la maison soit complétée au plus vite que possible. Mon roi. Oui. C'est en rapport avec ce qu'on s'était dit la fois passée. Je suis sûr que... je ne pense pas que vous ayez tort. En rapport avec ce que vous avez dit la fois passée. La princesse. Êtes-vous sûr que... elle pourra se rabaisser au niveau de demander pardon à Chioma? Vous le savez bien, mon gars. La princesse est vraiment arrogante. Et pleine d'ego. Comment oses-tu? Non mais comment oses-tu? Comment oses-tu appeler ma propre fille, la princesse de notre royaume de Obunoku, devant ma face? Ça veut dire que tu me prends pour un moins que rien. Et tu as dit ça devant moi. Et c'est comme ça que vous partez salir les noms de ma fille devant... Écoute, laisse-moi te dire, elle est ma fille. C'est ma fille. Peu importe comment vous la prenez. Prenez-la comme une stupide fille, ce n'est pas un problème, mais c'est ma fille. Je l'aime beaucoup. Oui. N'importe quoi. Je suis désolé, mon roi. Désolé pour toi-même. Hypocrite. Vous savez très bien que votre fille n'a jamais demandé à qui que ce soit pardon. Vous le savez. Et je ne sais vraiment pas si elle pourra le faire. Et ferme ta bouche. Et laisse-moi parler. Je sais pas, elle n'a jamais demandé pardon avant. Qui est-elle? N'est-elle pas la princesse de ce royaume? Et tu veux qu'elle s'excuse? Et c'est pour cela que vous partez salir les noms de ma propre fille. Vous ne faites que salir les noms de ma fille. C'est ce que vous faites. À chaque fois que vous partez et revenir, essayez de salir son nom. Vous pensez que je vais la tuer? Je ne vais pas la tuer. Je l'aime beaucoup. Et elle respecte ma parole. Maintenant, pars. Je suis en train de te dire que tu n'es plus le bienvenu ici. Pars. Tu n'es plus le bienvenu ici. J'ai dit pars. Demain, c'est un autre jour. Quelle insolence. C'est ma fille et elle respecte mes paroles. Peu importe comment tu la vois. Peu importe comment tu la prends, elle est ma fille. N'importe quoi.
Ifechi. Tu es là, chez toi. Qu'est-ce qu'il y a? Ifechi, c'est ton ami. C'est au sujet de ton ami, Dandy. Et qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Je n'apprécie pas. Il commence à être distant avec moi. Hein? Il ne prête plus attention et toutes ces choses qu'il faisait avant, il ne le fait plus. Quelque chose ne va pas. Ah, Ogochi, tu sais mon problème avec toi. C'est que tu t'inquiètes trop. Namdi est mon ami. Ne t'inquiète pas, je vais lui parler. Pourquoi je ne m'inquiéterai pas? Hein? Ça fait 3 jours que Namdi ne vient pas me voir et à chaque fois que je passe chez lui à la maison, il n'est pas là. Tu sais quoi? Ne t'inquiète pas. Tu peux rentrer chez toi à la maison. Avant le coucher du soleil, je vais me rassurer de le voir. D'accord? D'accord. Ok, je t'en prie, fais-le. Ouais, merci beaucoup. T'en prie. Je crois que je dois aller voir Chinasa. D'accord. Et plus tard, je viendrai chez toi à la maison. Pas de problème, pas de problème. Oh, je t'en prie, fais-le pour moi. Fais-le. Namdi. Monseigneur. Ma reine, tu sais quoi? Je remercie les dieux de m'avoir donné une femme comme toi. Ça va aller. Et je remercie aussi le dieu de m'avoir donné un homme comme toi. Oui. D'ailleurs, jusqu'à le prochain mois. Oui, nous allons continuer d'être ensemble. Oui. Ils sont rentrés. Mes salutations. Bienvenue, ma fille. Majesté. Bienvenue. Ma fille. Que le Merci Dieu beaucoup. Te bénisse. Ça fait longtemps. Tu as demandé pardon? Oui, père. Waouh, ça c'est notre Très fille. Bien, demandé au cœur. Oui. Elle l'a fait? Oui, Majesté. Elle a présenté ses excuses. Ça c'est bien. Bienvenue. Merci. Tu sais, ma fille, c'est ce que les gens veulent de toi. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent l'amour. Ils veulent la gentillesse. Tout ce qu'ils veulent, c'est de te voir être heureuse et leur montrer que tu les aimes. C'est tout. Je t'en prie. Merci. Je suis content. Je suis maintenant heureux. Écoute-moi très bien. Tu as maintenant la liberté de ramener tes gardes et tes servantes. Toi-même. Ils vont continuer de marcher avec toi. Qui suis-je pour renier ma princesse dans ses droits? Elle a ses droits. Rappelle-les, d'accord? Hein? Si quelqu'un te complique ou te dérange, fais-le moi savoir, ok? Ok? Je suis content, ma fille. Comme tu as fait ça, je vais offrir un sacrifice auprès des dieux de nos terres. Et maintenant, ils vont l'accepter. C'est ça. Oui, c'est ça. Oh Dieu. Bien sûr. Ma fille, écoute, je te donne la liberté. Maintenant même, tu es libre d'aller partout où tu voudras. Partout et à chaque moment. Fais-moi encore un câlin. Merci beaucoup. S'il te plaît, comme ton père vient de le dire, viens là. Je suis très content. Merci. Très content. Je t'en prie, comme ton père l'a dit, il faut aimer ton peuple. Ok, sois tolérant avec eux. C'est ce qu'ils veulent de toi. Je suis content, merci beaucoup. Tu peux maintenant partir. Merci. Oui. Ifechi, est-ce que tu avais fait ce que tu m'avais promis? Oui. Ogochi, j'ai quand même essayé de le faire raisonner, de lui parler, mais il s'est toujours montré vraiment têtu. Écoute, j'ai vraiment envie de causer avec lui. Si j'avais fait quelque chose de mal, fais-le moi savoir. Tu n'as pas à t'inquiéter pour tout ça, d'accord? Tu n'as pas à t'inquiéter. Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Obi, où étais-tu? Je t'ai cherché partout. C'est toi. Je t'ai fait confiance, Ifechi. Ifechi, toi. Obi, c'est pas ce que tu crois. Obi. Namdi, ce n'est pas. Bébé. Obi. Chinazo, mon amour.
Je t'ai toujours dit d'être à l'aise quand tu es avec moi. Oh, mon prince. Tu sais que je ne peux pas les faire. C'est incorrect. Mais ça ne fait rien. Tout ce qui compte, c'est que moi, le prince, je t'aime énormément. Mon prince. Oui. S'il te plaît, je dois te quitter maintenant. Aussi vite? D'accord, si tu le dis. Quand est-ce qu'on se voit encore? Mon prince m'avait déjà répondu à propos de ça. Merci, au revoir. Ogwaka. J'aime énormément cette jeune fille. Au palais. Pas demander les excuses à Ichoma. Hey! Est-ce que tu sais la gravité de la chose que tu as fait? Tu as menti au roi. Hey! Eboubé, qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai appelé ici à cause de ce que j'ai fait. La princesse a failli m'accuser de viol. Hey! Voilà pourquoi j'ai obligé de mentir. Eboubé, écoute-moi. Tu dois être prêt pour le roi parce qu'une fois qu'il le saura, il t'arrachera ta tête. Ceci est un secret. Tu ne devras en parler à personne. Je veux dire que personne n'en soit au courant. Aucune âme vivante. Eboubé. Oh mon Dieu. Je ne sais même pas quoi te dire maintenant. Je ne sais même pas quoi te conseiller pour le moment. Bien sûr que le roi va donner l'ordre de t'arracher la tête. Tu connais les conséquences, pourquoi mentir au roi? Écoute, je dois déjà aller avant qu'il me voie. Je dois aller. Vas-y, hein? Rapidement, vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous courez? Qui vous poursuit? Je ne sais même pas. Je l'ai vu courir. Et je courais aussi. Et pourquoi même tu courais? Donc tu es en train de vivre dans ma parcelle juste parce que tu l'as vu courir? Ok, si je peux le savoir, alors pourquoi est-ce que tu cours? Je vis Namdi. Namdi. Il a rompu avec moi juste parce qu'il croyait que je le trompais avec l'un de ses amis. Il n'a pas voulu écouter ma version de l'histoire. Il m'a pas écouté. Je pense que je sais pourquoi il a fait ça. Que veux-tu dire? Hein? Que veux-tu dire? Réponds-moi, de quoi est-ce que tu parles? Je l'ai vu avec la princesse. En train de faire l'amour. Ils étaient l'un contre l'autre en train de dormir. Et ils étaient en train de faire l'amour. Et aussi, le... Arrête de parler, hein? Pourquoi tu lui as dit? Pourquoi tu as parlé? On dit... ta bouche là!
Namdi. Donc c'est vrai. Oui, c'est bien vrai. Depuis que tu m'as quitté pour me tromper avec mon ami. Allez, arrête-moi ça, Namdi. Toi et moi savions très bien que c'est du mensonge. Donc c'est pour ça. C'est pour cette raison que tu as refusé de m'écouter bien que je t'ai supplié à maintes reprises. Mais Namdi, qu'est-ce qui t'arrive? La royauté. Ugochi, la royauté. La princesse est en train de me donner ce que jamais tu peux. Jamais tu peux me donner dans cette vie, ni dans la prochaine. Je t'ai hais, Namdi. Je t'ai hais. Je t'aime, Ugochi, mais je ne peux jamais t'épouser. La princesse est la raison pour laquelle mon cœur bat. Je te déteste. Alors, vous l'avez informé, misérable fille? Non, ma princesse. Pouvez-vous vous taire et je vous mettre pas à fait. Genoux? C'était... Je dis taisez-vous et mettez-vous à genoux. Ma princesse. Ma princesse. Je dis à genoux, ma princesse, à genoux. Ma princesse. Tout ce que vous faites dans ces villages, c'est commérer partout. Ma princesse, nous sommes désolés, s'il vous plaît. J'en finirai avec vous. Ma princesse. Ma princesse. Pardonne-nous. C'était ma princesse. Vous resterez là jusqu'à ce que le soleil va se coucher. Ma princesse, s'il vous plaît, ma princesse, s'il vous plaît. Pourquoi tu lui avais dit? Pourquoi c'était toi? Regarde ce qui nous est arrivé maintenant. Tu as vu? Ce n'est pas moi, oh. Ah ah, oh la main, hein? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qu'il y a? N'es-tu pas au courant de tout ce qui se passe dans ce palais? Ah, ma sœur, ce palais est devenu vraiment insupportable. Vraiment insupportable. Principalement la princesse. Elle est là toujours en train de se vanter. Elle pense qu'elle est la plus belle femme de ce royaume. C'est la seule raison qui la pousse à faire ça. Tu fies à quoi? Et aussi, j'avais entendu certaines personnes dire qu'elle avait giflé l'un des anciens de ce village. Et les anciens? Tu fies à quoi? Hey! S'il te plaît, laisse-moi aller répondre le roi. D'accord, j'arrive. Ma fille. Père. Je suis tellement heureux. Un cadeau spécial venant de Dieu. Je suis fier de toi. Bon, comme tu vois, je crois que tu as déjà découvert que ton père t'aime beaucoup. En tout cas, je t'aime beaucoup. Mais les comportements avec ton peuple, tes propres sujets, ça ne me fait pas du bien. Mais ton attitude et ton comportement, parfois ça me met en doute sans que tu le saches. Parce que parfois tu laisses les gens parler à mal contre nous. En fait, les gens me classifient comme un de ces pères qui ne sait pas comment éduquer son enfant dans les bons chemins. Alors ma fille, pourquoi? Père, je sais que vous m'aimez beaucoup. Et moi aussi, je vous aime de la même façon. Mais père, les peuples de ce royaume n'ont pas besoin d'un savant pour les mains. Ils ont besoin d'une personne forte et vaillante, comme moi. Père, nous devons les apprendre à respecter la royauté. C'est ce que je leur donne exactement, père. Ma fille. Aluchi. 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 Comment tu peux faire ça? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ton frère raconte? Père, j'ai trouvé l'amour. Est-ce une mauvaise chose de trouver l'amour? Est-ce mal de trouver l'amour, Prince Uchenna? Pas quand ton soi-disant amoureux est déjà fiancé à une autre. Aluchi, qu'est-ce que tu gagnes en voyant les gens pleurer? Hein? Aluchi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas, Prince? Hey, qu'est-ce qu'il y a? Prince, garde!
Prenez-les. Amenez-les au palais. Amenez-les au palais. Rapidement. Allongez-les là-bas. Ok. Mais que quelqu'un m'appelle la prêtresse. Appelez la prêtresse vite. C'est quoi ça? Iro. Oshé gime iro. Oforida cha mi kejipo. L'œil de Dieu. S'il te plaît. Qu'est-ce que je dois faire pour sauver la vie de mon fils? Mon seul fils, s'il te plaît. Une abomination a été commise dans la famille royale. Raison pour laquelle il subit cette punition. Si demain jusqu'au lever du jour mon roi, rien ne fait à propos, alors il rejoindra ses ancêtres. Je le savais. Que Dieu nous en épargne. Je savais qu'il a dû faire quelque chose à... Peux-tu fermer ta bouche? Princesse. Ferme ta bouche. Qui t'a demandé d'ajuster quelque chose? Qu'est-ce que tu veux dire? N'importe quoi. L'œil de Dieu, s'il te plaît. Peux-tu me dire encore une fois? Je t'en supplie, avec toute humilité, s'il te plaît. Quelle abomination que mon fils a commis? Dis-moi, s'il te plaît, ce que je dois faire pour sauver sa vie. Je n'ai pas un autre fils à part lui, s'il te plaît. Je n'ai jamais dit que le prince avait commis une abomination. Je dis que la famille royale a commis une abomination. Voilà pourquoi le prince se retrouve dans cet état. Mon roi, le sacrifice que la famille royale avait offert aux dieux a été rejeté. Rejeté? Ah! Comment? Mais dis-moi, Je sais de quoi je parle. Mon roi, je parle de la part des dieux. Vous avez offert un sacrifice. Mais la princesse n'était pas allée s'excuser auprès de la dame qu'elle avait frappée. Hey! Quoi? Odun! Haïti! Père? Est-ce vrai? Mais parle à moi! Bien, c'est vrai, père. Je ne pouvais jamais m'imaginer, moi, princesse de ce royaume, m'excuser auprès d'une moins que rien. Hey! Raison pour laquelle on appelait ça abomination. C'est l'abomination! Qui es-tu? Qui est-ce que tu penses que tu es? Princesse Monet, es-tu malade? Mais tu étais rentrée ici pour me dire que tu as présenté des excuses. C'est quoi cette sémence? Es-tu malade? Je l'avais dit. Elle ne pourrait jamais demander pardon à Ifoma. Hey. Peux-tu l'imaginer? Princesse Aluchi, comment tu peux faire ça? Comment? Regarde maintenant ce que tu as amené à la maison. Regarde bien. Regarde ton frère. Et maintenant tu es contente? Regarde-nous. J'aimerais que le dieu se comporte comme les humains. Pour punir celui qui a commis les mal, qu'il soit puni lui-même seulement. Tu te plains? Tu te plains maintenant? C'est toi qui as causé tout ça. Et maintenant tu vois les conséquences. Maintenant tu as vu. S'il te plaît. Je ne veux pas perdre mon fils. Oh. Je ne veux pas perdre mon fils. Je ne veux pas perdre mon fils. L'œil de Dieu, j'aimerais te supplier encore une fois. Avec toute humilité. Je suis un roi humble. S'il te plaît. Avec toute humilité. S'il te plaît, dis-moi. Qu'est-ce que je dois faire pour que mon fils soit sauvé? Sauve sa vie, s'il te plaît. Je n'ai qu'un seul fils. S'il te plaît. S'il vous plaît, l'œil de Dieu. La princesse doit faire ce qui lui a été demandé. Sinon, tous les membres de la famille royale mourront l'un après l'autre, en commençant par le prince. Que le Dieu nous en épargne. Je vous ai tout dit. Je m'en vais. Hey! Elle est partie. Elle est partie. Qu'est-ce que nous allons faire? Je ne veux pas mourir. Que vous pouvez facilement résoudre. Regarde la calamité que tu nous as apportée. Regarde vraiment. Mon roi,
tu as vie. Mais sais-tu que Aluchi essaye de mettre notre ami Ugochi mal à l'aise dans ses villages? Hein? Comment elle peut lui prendre son nom? Je pense qu'elle utilise ses charmes. Hé, hey, hey, Adeze, sors-moi de cette affaire, s'il te plaît. Tu veux que la princesse incluse mon nom dans cette liste? S'il te plaît, je ne suis pas là-haut. Ah, c'est au sujet de la princesse dont nous sommes en train de parler ici. Et donc, tu es parmi les gens qui ont peur d'elle. Parce que moi, Adugo, je ne peux pas avoir peur d'elle. Ah ah. Oublie, il ne s'agit pas d'être en amitié avec la princesse. Qui ne connaît pas la princesse dans ce village? Et tu veux que la princesse inclue mon nom dans sa liste des noirs? Jamais, impossible. S'il te plaît, sors-moi de cette affaire. Allons-y, tout il va pleuvoir. Tout ce que j'essaie de dire est que si tu allons-y. Garde. Oui, votre... Oui, majesté. Connaissez-vous la vieille femme Ifoma que ma fille, la princesse, a jetée par terre? Oui, votre... Oui, majesté. Connais-tu sa hutte? Oui, majesté. Bien. Va maintenant dans sa hutte. Majesté. Essaie de la convaincre de venir avec toi. Viens avec elle. Oui, oui, majesté. Mon roi. Bienvenue. Ils sont allés prendre la vieille femme? Oui. Ok. Ils seront là bientôt. C'est d'accord. Ils sont là. Ils sont là. Oh. Elle n'est pas avec eux? Votre Majesté, la voici. Bienvenue. Que les dieux te bénissent aussi. Bonjour, Majesté. Que les dieux te bénissent aussi. Pourquoi elle est en train de pleurer? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu pleures. D'ailleurs, où est Ifoma? Que la princesse allait voir pour l'offrir un cadeau. Oui. Votre Altesse, je ne crois pas que cela serait possible. Pourquoi? Parce qu'Ifoma a rejoint ses ancêtres ce matin. Quoi? Les dieux de notre terre. C'est impossible. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ifoma est morte? Oui, ce matin. Oui. Votre Majesté, nous étions convenus de venir vous voir aujourd'hui. Mais à mon réveil, je l'ai trouvée morte. Juste comme ça? Oui, Votre Majesté, mon roi, je suis à présent une orpheline. Mon roi, ma mère est morte. C'est bon, arrête de pleurer, c'est tout. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Voyons, hey, allez, regarde. Je suis fini, oh. Vous venez passer. Ok, hey. Seras, ça suffit. Que signifie tout ce que tu es en train de faire? Et tu es trop bête.
Tu ne sais même pas ce que je suis en train de faire. Mon ami, arrête. Attends, reviens ici. Reviens ici. Regarde. Regarde. Tu es tellement méchant. Tu n'as pas vraiment de cœur. Tu sais très bien que la mère de Gauthier n'est pas en vie. Tu ne peux pas présenter tes condoléances. Je suis désolé. Et est-ce que je te dois une explication? Mais pourquoi pas? Tu... Attends. Écoute-moi. Pourquoi permets-tu à l'égoïsme de gagner la place en toi? À cause de... Ma princesse Aleti. Yé! Reviens ici. Regarde. Tu es un serpent vert dans un verre en verre. Tu es méchant. C'est ton essence, c'est le père qui est un serpent. Tu appelles mon père un fou. Oui. Un grand serpent. Et tu es fou. Tu es un homme stupide. Tu me traites de fou. Oui, et qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Philippe, tu me traites de fou. Fais-le, non. Fais-le. Montre-moi. Ah! Les villageois. Il va. On sait guimé, hurray. On fait une chambre, il est qu'il faut. Il va. On sait guimé, hurray. On fait une chambre, il est qu'il faut. Salutations, mon roi. C'est vraiment triste. L'œil des dieux, bienvenue. S'il te plaît, je t'en supplie, en tout cas, consulte les dieux de notre terre. Demande-les ce que je dois faire pour sauver ma famille. Où est-ce que tu veux vraiment que ma famille aille? S'il te plaît. Du fait que la personne qu'elle a offensée n'est plus, elle doit aller présenter ses excuses auprès de celle qu'elle a laissée. Vous voulez dire qu'elle doit demander pardon à la fille qui est fuma? Hurray! Osho guimé, hurray! Ofori da cha mi kejipo! Celle que vous appelez sa fille n'a jamais été sa fille. Et? Mon roi, un mystère est sur le point d'être dévoilé. Mais l'humilité précède la gloire et l'orgueil la chute. L'aide de Dieu, s'il te plaît, on ne comprend pas jusque-là. Tu ne fais que parler en parabole. Essaye de nous expliquer. Que la princesse fasse ce qui doit être fait. C'est rien que comme ça que la famille royale sera sauvée. Retenez ceci. Même si le malheur s'abattit à la famille royale, il y a une personne qui ne sera pas consumée. Mignare, je m'en vais. Hurray! Il n'est pas encore venu. C'est ce que je me demande, mon frère. Qu'est-ce qui les dérange? Juste une seule personne qui ne sera pas consumée. Je me demande de quoi il parle. Une seule personne qui a le sang royal. Une seule personne. Tu ne seras pas consumée. Juste une seule personne. Mais qui est-ce que ça peut être? Ça, c'est une calamité. Hey! Les dieux de notre terre. Bienvenue. Merci, mon roi. Mon roi, il n'est pas temps de vous lamenter. Il est plutôt temps de décoder les paroles de la grande prêtresse. Je pense que nous devons trouver une façon de faire ce qu'Oguchi accepte les pardons de notre princesse. Tu as raison, Onoo. Tu as raison. Oui, mon roi. Mais ma question pertinente est que la princesse serait-elle d'accord
ou pour demander pardon à cette femme. Une personne normale. Une personne normale. Bien, mon roi. Si vous me le demandez, je vous dirai qu'il est temps de mettre de côté l'orgueil de la princesse. Hein? Ou vous voulez que le prince meure? Sans effet. Hein? Je ne veux pas que mon fils meure. Je vais faire tout ce que je peux, même si cela pourrait énerver la princesse. Je ne vais voir personne mourir. Ils sont tous que j'ai. Comme tu l'as dit avant, c'est un problème de conviction. Je vais essayer de convaincre la fille. Je vais essayer vraiment de la convaincre pour qu'elle parle avec ma fille pour le pardon. Je ne vais perdre aucun d'eux, s'il te plaît. Ok, d'accord, mon roi. Elle est là, mon roi. Maintenant, écoute-moi. J'ai assez toléré ton insolence. Tes actes stupides que j'ignorais tous ces temps. J'en ai assez. Ça va s'arrêter aujourd'hui. Écoute-moi. Aujourd'hui, c'est le dernier jour que je vais tolérer pour que tu cesses avec cette mauvaise habitude que tu as. Tu déranges tout le monde. Tu déranges tes parents. Tu déranges le peuple que nous représentons. J'en ai vraiment assez. Père, je ne veux pas qu'on me manque du respect. Vous étiez présent lorsqu'elle m'avait demandé de quitter sa parcelle. Alors je n'irai plus. Ferme ta bouche. Tu vas aller la voir. Qui es-tu? Tu dois aller la voir. Je suis le roi de ce grand royaume des Ubuku. Demain, c'est le dernier jour. Tu dois aller la voir et demander pardon. Tu as intérêt à le faire. Allez, dis. Ressaisis-toi avant qu'il ne soit trop tard. Tu es encore là parce que je n'ai pas encore décidé une sentence pour toi. Jusque-là. Écoute-moi. Allez, dis. Écoute-moi très bien. Je vais superviser ton exécution. Exactement. Moi-même. Pas quelqu'un d'autre. Père? Oui. C'est ce que je vais faire. Pour ton information, j'avais déclaré que tu dois mourir si tu ne veux pas le faire. Nous te laissons quelques temps pour arranger tout cela. N'importe quoi. Je n'ai pas tué mon père, encore moins ma mère. Toi, tu ne peux pas me tuer ou encore tuer ma femme. Jamais de la vie. Et c'est ma parole. Refuse de le faire. Ta sentence sera la mort. N'importe quoi. Mais vous avez bien entendu ce que papa a dit, non? Oui, j'ai entendu tout ce qu'il a dit. Écoute, je veux même faire plus. Si tu n'exécutes pas ce qui est dit, n'importe quoi. Je te parle et tu continues à t'amuser? N'importe quoi. Bienvenue, les filles. Merci votre majesté. Princesse Alice. Père. Le respect, c'est réciproque. Je te l'ai redit encore. Les gens de cette communauté te respectent beaucoup à cause de moi et de ta mère. Mais tu n'écoutes toujours pas. Mais je te donne encore une chance. Parce que tu avais refusé de demander pardon à cette dame. Maintenant, tu es prête de demander pardon à ses filles. Réponds si tu es prête. Oui, père, je suis prête. Tu es prête? Père, je suis prête pour m'excuser. Très bien. Agenouille-toi.
Tu dois t'agenouiller pour t'excuser. Bien. Agenouille-toi ici. Je m'excuse d'avoir frappé votre défunte mère. Et pour toutes les peines que je vous ai causées. S'il vous plaît, trouvez une place dans vos cœurs pour me pardonner. Je suis vraiment désolée. Oui. Pourquoi vous excusez auprès de moi? Partez au moins à la tombe de ma mère pour aller vous excuser. Ma fille, s'il te plaît, calme-toi. La vie du prince dépend de ta merci. Pour qu'il puisse revenir à sa vie normale, s'il te plaît. Le prince? Que lui est-il arrivé, votre Altesse? Le prince est à moitié mort. Il est sous le lit. Oui, tout ça à cause des crimes, de l'abomination que la princesse a commise. C'est seulement si vous la pardonnez que le prince va se réveiller et il va revenir à la vie. S'il te plaît, Hugo. S'il te plaît, pardonne la princesse. Mais qu'est-ce que tu fais? Je ne veux pas que le prince meure, s'il te plaît. S'il te plaît. Donc c'est parce que tu sais que je n'aime pas te voir dans cet état, voilà pourquoi tu me fais ça? Hein, Chinasa? Ce n'est pas ça. J'aime le prince. Tu sais que je l'aime. Et aussi ma mère. Toi ainsi que lui. Je n'ai aucune autre raison de rester en vie. Tu es une bonne fille, Hugo. S'il te plaît, fais miséricorde. Pardonne la princesse, s'il te plaît. Ma fille, pardonne-la, s'il te plaît. S'il te plaît, à cause de ta mère. Mais mon nom de Dieu, s'il te plaît. Ok, je vous pardonne. Je vous pardonne à cause d'elle. Oh, je vous pardonne. Et ma défunte mère vous pardonne aussi. Ah, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Infiniment. Je savais que tu avais un bon cœur. Merci. Que le Dieu te bénisse, ma fille. Ici. Dis-lui merci, ma fille. Merci, s'il te plaît. Je suis sincèrement désolée. Père, mère, c'est bon. Je suis désolée. C'est bon. Pourquoi tu m'as amené ici? Noma. Oui? Je suis vraiment désolé. Je dois te poser une question. Ok. As-tu remarqué quelque chose d'étrange à propos des gardes? Je n'ai rien remarqué. Tu n'es pas supposé être concentré sur ton travail? Tu es supposé être dans ton poste. Tu n'es pas censé me dire ça. En fait, tu marches à tout moment avec la princesse et Eboubé. Tu n'as pas constaté quelque chose d'anormal chez lui. Tu es le chef des servants, n'est-ce pas? Et moi, je suis près de la princesse. Tu veux que je t'acquise auprès d'elle? Non. Ne refais plus jamais ça. Oui, je l'ai vu rejoindre mes parents au palais lorsque je sortais. Ok, ça c'est bien. Nandi, qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est bon à propos de ça? Bientôt, Hugo, tu iras dans tout le village, ouvrant sa bouche comme une fenêtre, disant à tout le monde que moi, la puissante et forte princesse, mais suis excusée devant elle. Je ne laisserai pas que ça arrive, tu sais.
Donc tu préfères mourir que demander pardon? C'est le roi qui a rendu ses décrets. Le roi? Tu veux dire le roi? Nandi, quand j'aurai le temps de m'en finir avec Ugochi, je m'en chargerai du roi. Mais pour l'instant, allons à la deuxième partie de notre plan. Ma princesse. Tu m'avais remis ma capuche. Je continuerai à te protéger. Je te sauverai entre les mains de Nandi et la princesse Aluchi. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Ugochi. Ça sera meilleur pour toi. Ça sera meilleur pour toi. Père, oui fils, quand je pense à la vie que mène ma sœur, et je me demande, va-t-elle échanger? Fils, père, rien ne dure éternellement. Mon fils, je t'avais parlé sévèrement à propos de caractère de fille. Ce n'est pas normal qu'elle fasse cela. Ça ne vient pas d'elle. Votre Majesté. Votre Majesté. Votre Majesté. Mon amour, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas, mon amour? Peux-tu parler? Qu'est-ce qui ne va pas? Votre Majesté, c'est mon ami Ugochi. Je ne l'ai pas revu depuis hier. Et je pense qu'elle est en danger, votre honneur. En danger? Père! Tu reviens encore ici? Qu'est-ce qui ne va pas? Ugochi! Ugochi! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Que quelqu'un réponde à ma question? Père, ça c'est sérieux! Elle est mourante! Mon roi! Quelqu'un a essayé de la tuer! La tuer? Oui, oui, mon roi! Un meurtrier dans cette communauté? Non! Non! Garde! Oui, votre majesté. Écoutez-moi très bien. Vous avez entendu ça? Partez maintenant voir les gens. Informez à tout le monde. Le roi veut le voir ici. Partez maintenant. Invite tous les habitants de ce royaume. Tout le monde. Tout le monde doit venir ici. Nous devons savoir ce qui se passe. Vous comprenez? Partez! Oui, votre majesté. Appelez tout le monde au palais. Hey! Un tueur! Ah! Ah! C'est lui qui est derrière cette histoire. Cette histoire de tuer les gens va payer un grand prix. Le peuple de Umbaku, je vous salue. Igwe.
Vous connaissez ce qui se passe ici. Vous savez très bien que les royaumes de Umboku, nous savons très bien que faire couler le sang de notre peuple, c'est un ultime crime. C'est vraiment une grande abomination. Seulement le Dieu de notre terre et nous qui ont le sang royal de ce royaume peuvent prononcer un jugement par rapport à celui qui a commis ces crimes. Cet acte abominable. Et après tout ça, quelqu'un de cette terre a eu cette témérité d'essayer de tuer l'un de nous. Si ce n'était à cause de la bienveillance et le bon cœur de nos dieux, qui a fait à ce que notre frère ici présent, pour sauver sa vie, cette fille ici, serait déjà oubliée. Elle devait être morte, mais elle a été sauvée. Maintenant, je dis ceci. Mon peuple, est-ce que c'est lui qui a commis ce crime? Devons-nous le libérer? Non, jamais. Bien. Ah! Bien. J'aimerais faire une déclaration. J'aimerais informer au peuple, dire au peuple ce que nous devons faire. Laissez-moi suivre ça d'une manière logique. Et puis, on va trouver une solution. Avant de lui demander de sortir, j'aimerais demander à Ogochi de citer les noms. Juste pour le fait que je ne vais pas être dans la situation de colère. J'aimerais le faire dans la tranquillité. J'aimerais tout celui qui est impliqué dans ce crime de se montrer par lui-même. Je vois. Personne ne se manifeste. Personne. C'est dans ce genre de situation. Et je vais déclarer ici et maintenant. Celui qui est impliqué dans ces crimes sera mort par tempête. Igwe. Cette personne sera morte par une tempête. Igwe. C'est ce qu'on a décidé. Alors, Igochi, dis-nous si tu connais vraiment celui ou celle qui t'a attaqué. C'est Nandi et la princesse Aluchi, votre maître. Hey! Ils m'ont agressé et m'ont jeté dans la forêt d'Ukani pour que je souffre et que je meure. Princesse. Mon roi, je suis désolé, mon roi. C'est la princesse, mon roi. C'est la princesse. Hey! Mais ma pauvre fille, la princesse de ce grand royaume. Elle avait dit qu'on devait la tuer parce qu'elle lui avait demandé pardon. Cette fille, mon roi, tu mon sais roi, pas je vrai. Suis désolé. Elle avait dit qu'on devait la tuer. Mais tais-toi. Princesse. La princesse de tout le monde. Et toi? Pourquoi? Hey! Le roi a rendu son jugement. C'est
pas possible. Oh mon Dieu. Allô. Comment est-ce qu'une princesse peut faire ça? Oh. Enfin, là-bas. Alidie. Hey. Hey. C'est dur à le croire. Vous devez subir les conséquences. Alidie. Hi. Garde! Père, je suis désolée. Prenez-le! Ferme ta bouche! Ferme ta bouche! Allons-y! Avance! Allons-y! Père, je suis désolée, père! Je suis désolée! Ferme ta bouche! Une femme méchante! Hey! Votre Majesté, est-ce que je peux vous demander une faveur? La faveur pour qui? Votre Majesté, je sais qu'ils m'ont offensé et m'ont fait du mal de plusieurs manières. Et les dieux ont épargné ma vie. Alors, pourquoi... Alors, tu veux les pardonner? Oui, votre majesté. Tu veux dire tu veux le pardonner? Après tout ce qu'ils t'ont fait, qui es-tu? Les dieux sont sages. Tu es réellement une fille des dieux. Et la vraie princesse de notre terre. Hein? Mon peuple! Elle est bel et bien la princesse disparue. Hey! Celle qu'on croyait morte il y a de nombreuses années. Hey, hey. Hey, qu'est-ce que je viens d'entendre? Les dieux me l'ont révélé la nuit dernière. Elle n'a jamais été morte. La sage-femme vous avait trompée parce que la reine s'est manquée de sa stérilité. Elle était allée jeter les bébés dans la forêt d'Oukani en croyant qu'elle serait tuée par de bêtes sauvages. Le bébé a été remis à un couple de ces royaumes qui n'avait pas d'enfant. Lors de la naissance de la princesse Aluchi, le dieu par leur colère l'ont tué. Hey, hey. Attends, tu veux dire que c'est ma fille? Oui, Igwe, elle est votre fille. Père, hey. Hey. Les dieux de notre terre. Hey. 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 Ça c'est intéressant. Ah. Hey. 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 Merci. Et donc vous étiez sœur? Hey. Mon roi. Oui. Sachant qu'il était mort le même jour où la princesse Aluchi était née. Était née. Hey. En tout cas, bienvenue. Les dieux sont sages. Très sages. Qui a dit qu'ils ne sont pas sages? Bienvenue. Maman n'avait pas terminé cette histoire. Donc, c'était vraiment ça. Maman, si je peux te le demander, qu'est-ce qui était arrivé à la fille? Comment elle était devenue la fierté de sa mère? Et qu'est-ce qui était arrivé au mari? Cela est une histoire pour un autre jour. C'est vrai? C'est tout ce que tu trouves à me dire? Oui, je te dis la vérité. D'accord, j'ai été entendu, c'est entendu. De toutes les façons... Je me demande si nous serons toujours amis, ma princesse. Hey, Chinasa, assez avec ces histoires de princesse. Je suis toujours ton amie. Je sais, mais cela ne change pas le fait que tu fais partie de la royauté. Et toi aussi, mon amie, bientôt tu feras partie de la royauté. C'est vrai ça, mais je pense que ta sœur est toujours en colère contre toi. Et cela me rappelle, vas-tu accepter qu'elle travaille à tes côtés? Je pense qu'elle ne t'aime pas. En tout cas, je ne la blâme pas. Je connais Princesse Aluchi. D'ailleurs, tout le monde la connaît dans ce royaume. D'après tout, nous n'avons pas grandi ensemble pour construire cette liaison entre sœurs. Bonjour, ma princesse. Elle me déteste? Ah! Je ne crois pas que c'est le cas. Tu connais ma sœur. Elle a toujours été comme ça. Et je ne la blâme pas. Tu sais que nous n'avons pas grandi ensemble. C'est facile à comprendre. Alors, de quoi parles-tu? Je crois qu'elle peut faire quelque chose de très mal. As-tu oublié la façon dont elle t'a regardé? Ma princesse. La façon dont elle me regarde, peu importe ce qu'elle planifie de faire, ça m'est complètement égal. Je ne suis pas intéressée. Peu importe, parlons d'autre chose. Alors, si je peux te le demander, mon nouveau statut ne te plaît pas?
Oui, une bonne réponse à ta question. Ma princesse, n'as-tu pas compris? Ton nouveau statut me donne l'accès de visiter les palais quand je vais avec l'ordre de la princesse Alechi. Et si ça serait facile pour le voir, je serai même en mesure de passer une nuit où je veux. Et pour profiter de passer une nuit avec lui, tu sais de quoi je parle. Regarde ta petite coquine. T'inquiète, je suis contente pour mon frère. Après tout, il ne sera plus seul comme il était auparavant. Tu peux le répéter encore, ma princesse. Allons-y, mon ami. Jamais. Notre roi a vraiment souffert. Igwe a vraiment souffert. Passé. C'est un serpent! Un serpent! Ma princesse! Ma princesse! Mon pied! Mon pied! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un serpent! Un serpent! Qu'est-ce qui se passe? Un serpent? Ma princesse! Ma princesse, c'est un serpent! Mais qu'est-ce qui se passe? Ma princesse! Ma princesse! Je pense qu'il voulait vous tuer. Es-tu sûr de ce que tu racontes? Oui, vous ne pouvez pas les voir. Ma princesse. Ma princesse. Ma princesse. Ma princesse. Randy, mais pourquoi voulais-tu me tuer? Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Tout ce que je fais n'était que t'aimer et c'est vraiment ce que je gagne en retour? Allez, dis-moi. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Nandi. Ma princesse. Ma qui princesse. T'a envoyé? Ma princesse. Nandi. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu. Ah. Nandi. Hein? Nandi. Je t'en prie, réveille-toi. Réveille-toi, Nandi. Allez. Mon roi, le serpent qui avait attaqué la princesse n'est pas ordinaire.
c'est plutôt la fille de la déesse de la forêt. Hein? La fille de la forêt? Mais elle n'attaque personne, sauf si quelqu'un prend ce qui lui appartient. Vous avez raison. La princesse a attaqué celle que Wyoff avait juré de protéger. Encore? La princesse est encore en vie, parce que la déesse veut qu'elle puisse confesser de ses péchés. Hey. Encore? Mon roi, vous devez faire en sorte qu'elle puisse confesser avant qu'il ne soit tard. Elle a osé lever sa main sur celle que Wyoff avait juré de protéger. Ça, c'est un problème. Qui est cette personne qu'il est en train d'essayer de protéger pour qu'elle confesse? Ce n'est pas un bébé, c'est un jeune homme ou une jeune fille. C'est quoi tous ces problèmes? Ça me met toujours dans des confusions. Je suis vraiment dans la confusion. Qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vis avec quelqu'un que je ne connais pas? Ah! Oh! Ogochi, je t'ai jalouse de ta beauté. Alors j'avais demandé à Nandi de te tuer. Hey! Abomination! Hey. Aleti, mais là je sais que tu es vraiment méchante. Comment oses-tu? Tu as voulu la tuer? Elle a sauvé ta vie. Hein? Tu as eu l'audace d'essayer encore. Grand frère, s'il te plaît. Pardonne-moi. J'aimerais dire qu'elle te pardonne. Après tout ce que tu lui as fait. Mais, pour faire me taire et écouter ce qu'elle a. Comment as-tu pu, ma sœur? Comment as-tu pu? Tu m'es hantée depuis que je n'étais qu'une simple fille. Même à présent que je fais partie de la royauté, tu continues à me hanter. Je t'avais accordé une faveur. Mais tu sais qu'une seconde chance ne vient pas facilement. Mais bien que c'est là, je te pardonne parce que tu es ma sœur. Oui, je te pardonne. Je te pardonne, ma sœur. Wanyofia, te pardonne. Oh, ma fille. Oh, ma fille, merci. Que le Dieu te bénisse. Merci de m'avoir pardonné. Vraiment, tu m'as pardonné. Merci le Dieu. Merci d'avoir sauvé ma vie. Merci de m'avoir donné une seconde chance. Je te promets de changer. Pour toi. Et pour tout le monde, dans ces villages, alors puis-je t'appeler grande sœur? Il faudra d'abord que tu permettes à mon frère, le prince Uchena, d'épouser Chinasa. Bien sûr, je promets, le prince Uchena, d'épouser Chinasa. C'est vrai? Oui. Oh! Hey. Hey. Ok, d'accord, tu peux m'appeler mes sœurs, ta sœur. Hey! Père! Je t'avais dit. Je t'avais dit que ça sera aujourd'hui. N'est-ce pas? Oui, tu avais raison. Oh, les dieux soient loués. C'est Uchena. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues.